ici. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? L'oracle a vu l'enfant, tout comme moi. Il va venir la chercher d'une minute à l'autre. Il faut que je la trouve avant lui. Attends-moi ici. Je ne serai pas long. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je trouve l'enfant avant l'oracle. Monsieur! Monsieur! Vous ne pouvez pas entrer! Il faut que je fasse vite. L'oracle ne va plus tarder à arriver. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur! Je t'ai vu dans mes rêves. Il faut que tu viennes avec moi. Nous devons partir d'ici, maintenant. Elle a l'air absente, comme si elle était ailleurs. Alors, tu es encore vivant. J'ignore comment tu as fait. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Donne-moi cet enfant, et je t'accorderai une mort rapide. Si tu l'amènes à ceux que tu sers, ils utiliseront son pouvoir pour réduire l'humanité entière en esclavage. Ça ne te concernera plus. Tu seras mort bien avant que ça n'arrive. Donne-moi cet enfant. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Je te laisse ici. Surtout, ne bouge pas, compris? Je vais revenir te chercher. Enfin, j'espère.
Tu as retrouvé l'enfant. Agatha. De son sort dépend celui de l'humanité pour les 10 000 années à venir. Un nouvel âge d'or, de paix et de sécurité, où le règne du froid, de la terreur, de la mort. Nous avons eu raison de te choisir. Cette enfant, pourquoi est-elle si importante? À l'aube des temps, une prophétie a annoncé qu'un jour naîtra une enfant dont l'âme sera parfaitement pure. Elle viendra révéler un secret, la réponse à toutes les questions. Celui qui l'entendra détiendra un pouvoir sans limite. De quel côté êtes-vous, Agatha? Qui êtes-vous réellement? Nous voulons empêcher le clan Orange de s'emparer de l'enfant Indigo. Il se servirait d'elle pour maintenir leur emprise sur l'humanité. Nous voulons la mettre en lieu sûr pour que personne ne puisse jamais utiliser son pouvoir à de mauvaises fins. Que s'est-il passé à la fête foraine? Je ne me rappelle de rien du tout après l'effondrement de la plateforme. Tu n'as pas survécu à la chute. Nous avons retrouvé ton corps et nous t'avons ressuscité. La vérité, c'est que tu es mort, Lucas. Vous m'avez ressuscité? Nous avons quelques compétences qui t'étonneraient. Te faire revenir à la vie n'avait rien de difficile pour nous. Il était vital que tu nous rapportes l'enfant Indigo et tu as réussi. Nous allons maintenant pouvoir la mettre à l'abri. Tu as accompli ta mission. Non, je n'ai pas confiance. Jade va rester avec moi. Tu commets une grave erreur, Lucas. Je vais devoir t'effacer. Quand nous t'avons ressuscité, nous avons ajouté un module dans ton cortex. Impossible de te tuer, puisque tu es déjà mort. Je peux par contre t'annihiler. D'un simple contact, je peux t'effacer définitivement. Inutile d'essayer de me résister, c'est moi qui te contrôle maintenant. Lève-toi, Lucas! Vite! Vite! Par ici!